taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing in that song. Donc là on est samedi, il est 11h17, mais je suis réveillée depuis 10h à peu près. Maman est là, elle a dormi ici. Puis elle a toute peinturée. Oh, attends. Ouais, là vous voyez la couleur. Il n'y a rien de placé encore parce que l'enfant elle a fait les moulures ce matin. Puis je vais vous montrer. Ah, je vais montrer. Là, ils sont en train de faire vous voyez la petite salle de bain. Elle est comme un ton plus foncé. Les moulures sont pas faites ici. Oh, c'est vrai. Puis pareil pour mon portique. C'est beau! Puis là, Anthony nous a fait un déjeuner de chef. Mmh. Fait que maman, elle s'est fait un genre de sandwich de déjeuner avec un œuf. Il y a du jambon cuit, du ballon cuit, des saucisses, du fromage, des raisins, sauce au raisin, patates. Puis il fait un smoothie, ça va être très bon. Bon appétit! Anthony nous a fait un smoothie, puis il est vraiment bon. Vraiment bon. Super. Yay! Maman est en train de peinturer la salle de bain, comme on peut voir la couleur. Elle a fait le saut quand elle a vu la couleur, hein, maman? Ouais. Ça devrait être beau, là, un coup sèche. Oui, ça va être beau. Juliane est au bout, dans les mouillures. Oups, c'est flou. Princesse est là. Princesse, elle a la queue pleine de peinture. Ouais. Moi, j'ai collé ça parce que j'ai mis du tape. Parce que ça. Tu sais, on pouvait s'accrocher la nuit, là, puis ça bougeait. Ça tombait. Fait que là, j'ai mis du petit tape, mais qui paraît pas, là. Et j'ai fait ça. Bon, je regardais le Baby Nursery Tour de Jamie et Nikki, puis regardez qu'est-ce qu'elle a fait. Je vais faire play, là. Mais c'est les racks à épices de chez IKEA qu'elle a fait comme un. T'sais, elle les a peinturés en blanc, puis elle a mis comme des livres, puis je trouve que ça fait super beau, là. Je veux vraiment faire ça. Je vais aller voir où je pourrais faire ça dans la chambre, là, mais comme sur un petit mur, là, dans la chambre de bébé. Ça serait super beau, puis checker ça. 3,99 €, genre, sérieux, c'est pas cher. Dans le fond, je pourrais faire ça ici. Dans le fond, là, c'est la... quand vous rentrez. Anthony est en train de jouer, là. Puis là, on a le lit. Ah, oh, regardez, c'est ça les draps qu'elle nous a donnés. Mais genre, c'est des draps, c'est un gars, là, mais ça va être des draps de rechange, là. En tout cas, elle nous a donné ça avec le matelas. Fait que, dans le fond, le lit, là, il va être ici. Mais là, oubliez le bureau à Anthony. Mais le lit va être ici, avec la chaise berçante, mon gros meuble, un tipi. Puis, en tout cas, ça va être super cute. Puis, là, c'est ça, vous voyez, j'ai mis plein d'affaires. Il y a plein de choses, je ne vous ai pas montré qu'on nous a donné, mais tout dans les sacs en haut, là, plein de jouets, des jouets en bas aussi, en tout cas. Mais, ce serait beau ici, ça serait vraiment parfait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Salut. OK, regardez cette recette-là que j'ai trouvée. C'est une recette de soupe minestrone à la mijoteuse. Puis, elle a l'air super bonne. Elle a l'air bonne, hein, regarde. Arrête, tu fais. Elle a l'air bonne. Je pense que je vais faire ça. Des grosses batches là, que je vais pouvoir préparer d'avance. Pas là, mais bientôt. Fait que là, qu'est-ce qu'on vient de faire? Tourner une vidéo. On vient de tourner une vidéo ensemble. Fait que c'est les questions que vous nous avez posées sur Instagram. Mm-hmm. Puis j'ai eu de la misère à placer l'éclairage parce que regardez ça. Ça, c'était trop clair. C'est comme. Pas pire. Ouais. Avec notre sapin. Ben, mon sapin. Mon sapin, c'est beau, hein, les boules. Ça, c'est les boules du IKEA. Ça sont belles. Oui! Mais j'ai toujours peur que ça se casse. Enfin, j'en ai trop. Non, j'en ai trop cassé dans ma vie. Ça en plastique, ils se cassent pas. Oh. Et qu'on a tourné une vidéo. Ouais. Ok, là, faut peut-être remonter en haut. Ouais. Dans le fond, c'est moi qui vais monter parce que toi, tu vas prendre l'excuse que t'es enceinte. Ben, je l'ai dit sans plus. J'ai dit sans tout ton trépied. Au revoir. Bon, ce petit Saint-Hubert! Miam! Tout le monde! Là, il est rendu quelle heure? On va checker. Il est rendu 6h54 et ma mère vient de partir avec son chum, puis
ma soeur. Et là, je vais vous montrer ce que ça donne dans la maison. J'suis tellement contente! Vraiment contente. Donc, fait que vous voyez, mais là, on est le soir, fait que la couleur, on s'entend, c'est pas... En tout cas, vous l'avez vu de toute façon le jour. Fait que là, comme vous aviez vu, elle avait fait, dans le fond, tout sauf... sauf la cuisine, comme vous pouvez voir, comme ici, tout ça. Parce que, ben, premièrement, il restait pas assez. Puis, que, t'sais, on n'était pas sûr si je voulais le faire ou pas. Donc, la séparation, elle se fait genre là. Fait que pour l'instant, ça va être comme ça. Peut-être que, tu sais, peut-être, je sais pas. Ben, ça fait beau comme ça aussi. Fait que, voilà. Donc, ça. Mon sac de vidange qu'il faut que j'aille jeter dehors. Donc, vous pouvez voir la couleur qui est comme un... OK, là, ça change beaucoup avec le sapin qui flash, là, mais... qui est comme un beige gris. C'est Edgecombe Gray de Benjamin Moore. Donc, voilà. Avec le mur avec les... Oh, ça traîne. Le mur avec les lignes. Ça fait vraiment beau. J'aime vraiment ça. On peut voir un petit peu. Ça fait plus chaleureux, je trouve. Fait que voilà. Puis, c'est, mettons, j'ouvre la lumière. Dans le fond, la couleur au fond, puis la couleur dans le portique, c'est... Ah, bon, on voit plus les couleurs. C'est un ton plus foncé. Donc, là, même si je vous montre là, le miroir est sale, par exemple, OK? Mais, vous voyez, c'est comme plus foncé. Ça, c'est Revere Pewter. En tout cas, quelque chose comme ça, là, de Benjamin Moore aussi. Fait que c'est comme, sur la palette de couleurs, là, c'est le ton après celui-là. Moi, je trouve qu'il est comme un petit peu plus froid que le reste, mais il est, il est un ton plus foncé. Donc, c'est ce qu'on a mis ici aussi. J'ai sorti un tapis, comme vous pouvez voir. Puis, c'est ça. Fait que vous pouvez voir ça ici, ce que ça donne. Fait que c'est un ton plus foncé, puis je trouve ça vraiment beau. J'ai pas vraiment de décoration dans mon portique à part mon petit cadre, mais je l'aime vraiment beaucoup. Il est très beau. Donc. Fait que, il restait à faire la porte ici. Cette porte-là, mais c'est vraiment beaucoup de découpage, comme vous voyez, comme c'est beaucoup de vitres. Il reste, parce qu'il reste du blanc là encore, c'est juste que c'était assez, là, ça fait déjà beaucoup. Il reste cette porte-là, puis la porte de la salle de bain. Mais. Dans le fond, il reste la chambre de bébé à peinturer quand on va savoir le sexe. Donc, c'est quand on va... Quand je vais savoir le sexe, dans le fond, c'est sûr, en décembre, on peinture la chambre de bébé, là. Je sais, lundi, là. Fait que... tu sais, ça va être en décembre, fait qu'en même temps, on peinture, on ressortira le blanc pour faire ça ici. Alors, je vais aller vous montrer en haut. Ça fait vraiment beau dans la salle de bain. Ah, je pense qu'on est bientôt aux toilettes. On va voir. T'es-tu aux toilettes? Ouais, je vais vous montrer après. Vous pouvez voir un petit peu mes lumières dans ma chambre, ce que ça donne. Puis, on a installé le cadre. Et ici, tant qu'à réinstaller plein d'affaires, on a installé ça. Fait que j'ai décidé de le mettre de ce côté au lieu de l'autre. Je sais pas, je l'aime bien. Donc, je vais vous montrer la salle de bain. Là, c'est vraiment dur à dire. Parce que, bon, tu sais, oups, on voit pas full la vraie couleur, mais c'est Palladium Blue de Benjamin Moore aussi. Donc, on a réinstallé bien mon meuble, on l'a comme fixé au mur. Donc, j'ai comme perdu, à cause que quand je l'avais dit qu'il était pas fixé, il avait comme glissé un peu. Puis j'avais une assiette que j'avais mis ici comme en porcelaine, ben elle a brisé, fait que je l'ai plus. Fait que là, je savais comme pas quoi mettre. Fait qu'en fait, j'ai mis trois produits Lush ici. Mon clarisonic. Puis, c'est ça, donc ça c'est les autres. Ici, dans le fond, je vais mettre mes serviettes, mais là, c'est au lavage. Puis ici, j'ai mis le plateau que j'ai acheté Winners. J'ai mis les produits dedans, puis je le trouve full beau, fait que c'est ça, il y a comme du or. Fait que le or, c'est comme un des accents dans la salle de bain.
On a installé ça ici derrière la porte. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté aussi au Winners. Donc, je trouve ça vraiment beau parce que c'est le même brun que ça. Ouais, j'aime vraiment, vraiment le brun avec le genre de bleu, vert qui est le mur. Mais c'est pas un menthe, là. C'est pas du tout menthe. Je vous montrerai demain au soleil, là, mais bon. Fait que c'est ça, je suis bien contente. Fait que dans ma salle de bain, qu'est-ce qui me manque seulement? C'est mes deux tablettes ici avec la déco que je vais mettre or et couleur brun foncé, tout ça. Mon cadre qui va ici, que je sais déjà c'est lequel je veux du bouclage. Puis je vais me faire faire, je veux faire comme un plateau là pour le bain, mais genre en bois de cette couleur-là. Ça va comme revenir chercher le brun de ça. Puis, c'est vraiment fort cette lumière-là. Celle-là. Oh! Là, on voit plus grand-chose. En tout cas, on voit. J'ai décidé d'y aller avec une couleur pour la salle de bain. Même si toute ma maison est neutre, je trouve que c'est quand même une couleur pas flash. Tu sais, ça fait quand même neutre, je trouve. Parce que, en fait, j'aime ça de la couleur, mais la seule pièce qui va avoir de la couleur, c'est la chambre de bébé. Donc, ma chambre, je l'ai laissée blanche. Ma pièce maquillage est grise. En bas, c'est toute neutre. Fait que je voulais jouer avec les couleurs tout en restant... Ouh! Voyez comment c'est fort, c'est bizarre. Tout en restant pas une couleur flash. Puis, j'aime vraiment ça parce que ça fait comme paisible. Puis... Anthony, au début, il était pas sûr, il est comme, t'es sûr que ça va aller bien avec notre céramique qui est comme taupe. J'étais comme, oui, puis oui, je trouve que ça fait beau. Avec comme ma céramique taupe, le brun, ça s'agence, ça fait beau. Fait que j'ai vraiment hâte d'acheter mes tablettes puis mon cadre. Puis c'est pas mal juste ça qui manque pour ma salle de bain, sérieux, pour qu'elle soit finie. Ah oui, puis le plateau. Mais c'est ça, je suis bien contente. Donc, présentement, 8h07. Et je suis en train de faire la recette. Là, je regarde, c'est muffin aux fruits personnalisé de 3 fois par jour. Donc, c'est dans sa revue. C'est pour ça que mon armoire ici est ouverte. Et que là, je suis en train, je fais ça, puis j'écoute de la musique de Noël, OK? Fait que là, ils me disent de mettre 2 cuillerées à thé de poudre à pâte. Fait que je fais ça dans mon mélangeur KitchenAid. Puis, j'aime vraiment ça, les muffins. Fait que, je suis proche. J'aime vraiment ça, les muffins. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça donne. Tu sais, sa recette, tu peux tellement personnaliser. D'où le nom. Je sais pas quel fruit je vais mettre. Ça dit de mettre 1 tasse de fruits congelés. Je pense que je vais les faire aux fraises. Peut-être que j'ai racheté des noix ou quelque chose. Je sais pas quel. J'ai tout le temps. Je sais pas si vous me voyez bien, là. Mais j'ai tout le temps genre des noix, je sais pas, de l'avoine. Je vais rire, qu'est-ce que je rajoute? J'ai tout le temps des petits sacs à finir. Fait que je vous montrerai ça tantôt. Bon, je vais mettre ça au four, mais pour vrai, je suis sceptique, okay? Parce que la texture est très épaisse. Parce que dans le fond, ça disait pas de mettre du lait. Ça disait genre un produit laitier, exemple yogourt, lait, blablabla. Moi, j'ai mis du yogourt grec. Et ça fait comme une texture épaisse. Je sais pas si vous comprenez, mais c'était dur de mettre ça égal. Là. En tout cas, je vais mettre ça au four, puis j'espère que ça va être bon. Bon, ben, c'est ce que ça a l'air, les muffins. Puis ils sentent vraiment bon. Fait que je vais attendre qu'ils refroidissent. Puis là, je vais vous montrer, parce que dans le fond, demain, j'ai au Carrefour Laval. Puis, j'aime pas tant ça, en fait, compte, aller au Carrefour Laval. J'aime pas ça magasiner quand il y a énormément de monde, OK? Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas ça. J'aime pas ça quand il y a trop, trop de monde. Ouais, c'est peut-être bizarre, mais c'est comme ça. Puis, Carrefour Laval, c'est toujours full, encore plus la fin de semaine. C'est genre intense. Mais bon, je vais y aller demain, parce que je vais aller au Sephora. Je vais utiliser mon 20% de rabais. Puis, je voudrais peut-être acheter des cadeaux de Noël déjà. Puis, je vais vous montrer ma liste que j'ai sur le site de Sephora, donc ma wishlist. J'achèterai pas tout ça, mais c'est ma wishlist. Donc, s'il y a ça ici, ah, c'est full bleu, excusez, ça va changer.
S'il y a ça ici, hier, il avait... tu peux regarder avec l'adresse puis voir s'il l'a, mettons, à telle place dans les 24 heures. Là, je peux plus regarder parce que ils ont même plus la page sur le site parce qu'il est en rupture de stock. Mais c'est un kit ensemble de découvertes masque pour le visage et les yeux. Dans le fond, c'est parce que j'en voulais déjà des masques pour le visage de Sephora. J'aime le rose foncé. Ben, celui à la rose, celui perle, Lotus, il m'intriguait. Puis celui-là, dans le fond, t'as le Lotus, celui à la rose, puis celui comme au miel que j'aimais beaucoup. Mais t'as pour le teint puis les yeux. Puis pour 31$, ça vaut vraiment la peine le kit. Tu sais, dans le fond, t'en as 6. Alors, je voulais ça. Sinon, je vais en acheter, dans le fond, des pour le visage puis pour les yeux séparés. Là, au pire, s'il n'y a pas le kit, mais le kit vaut vraiment la peine. Bon, j'hésite, en fait, parce que soit je m'achète un kit Glam Glow, qui est, en fait, celui-ci. Donc, t'as le masque, mais dans le fond, t'as le petit format du nettoyant comme gratuit, là, on peut dire. Mais sinon, il y a ce kit de Caudalie, puis il y en a deux des trois masques que j'ai essayés, puis je les aimais. Alors, je me dis peut-être le trio de masques. J'aimerais peut-être le Smashbox Photo Finish Primer Water, mais comme le petit format. Je veux, c'est sur la poudre fixatrice de Laura Mercier, transparente, parce que Alex en a parlé beaucoup, puis j'en entends aussi beaucoup parler sur YouTube. Je pense que je vais prendre le... c'est la même, c'est juste que ça, c'est un plus petit format. Je vais sûrement prendre un petit format à 27$. Ici, c'est d'autres trucs que j'ai. C'est clair qu'il l'aura pas en magasin, le duo pour les lèvres Lolita de Kat Von D, mais s'il l'aurait, je le voudrais. Ça, il m'intrigue tellement, là, sérieux, je sais pas. Des Glam Glow, là, le produit pour les lèvres. Ça aussi, mais, tu sais, je l'ai jamais testé encore, fait que je sais pas. S'il y aurait le Lolita de Kat Von D, je le prendrais. S'il y a le Stila Patina, je le prendrais. Sinon, j'ai mis un lip stain de Sephora. J'avais la Naked Smoke, mais je sais pas. Parce que j'ai aussi la Tartelette de Tarte. Ils vont en sortir une deuxième, mais j'aime elle parce qu'elle est toute mate, puis la deuxième, elle sera pas mate. Donc, tu sais, peut-être je vais prendre elle, peut-être l'autre, mais tu sais, elle, je la porterai moins, c'est sûr. Fait que je verrai demain, puis j'ai bien hâte.